C'est donc ben cool! Tant qu'on est en surface. Sous l'eau, c'est un peu plus violent, ce qui se passe. Je vais retourner à la maison. Et il flotte. Bonjour ma gang de pas fin, c'est Dumkissé89. On est de retour dans Somnatica Below Zero. J'ai l'air dans Below Zero Somnatica, mais c'est pas tout à fait ça. Ygrel. On est à peu près à presque à 600 mètres de notre abri de secours. C'est vraiment ce que notre Seaglide nous permet de faire comme distance. C'est vraiment bien. Sans ça, ça aurait pris une éternité si on est ici. On est sur la terre ferme étrangement. Ah, il y a du soufre. Sur la surface. Wow! Il y a. Comment que Pili a dit ça? Il y a quelque chose. Journal vocal. Repairing the nearby. Ok, une tour de communication aussi. Alors, allons voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de communiquer avec, avec Vesper. Blue Fur Plant. Ah, la fouille. Quoi faire avec ça? Non, encore, c'est juste décoratif. Hein. Mais j'aime vraiment Leafy Fruit Plant. Ok. Je peux ramasser des fruits. Cool. Ok, santé plus 10, nourriture plus 15. Ah, c'est une bonne façon de se soigner. Cool. Je vais les garder tel quel. Je pense que dès que je peux me faire des. Pousser des plantes, je vais le faire. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas mon scanner. La dernière fois que j'ai vu ça, elle est tard mal lili. Ils sont, je sais pas s'ils sont décrits. Hein? Je suis curieux. Tard mal lili. Non, pas ça. Les plantes. Loofer plant, elle est pas décrite. Tard mal lili. Une plante étrange qui. Grandit sur les surfaces des cavernes de roches, les pétales brillent et génère de la chaleur. Offering protection. Ah! J'avais pas pensé à ça, mais oui, s'il fait froid, je peux me servir de ces plantes-là pour me réchauffer. C'est pas fou comme concept, c'est comme. Il y a plein de petites sources comme ça de chaleur à différents endroits. Qui vont être des mécaniques qui vont nous permettre de rester en vie et rester en surface plus longtemps malgré le froid. C'est merveilleux. Et les fruits. Je nourrir, c'est pas beautiful. C'est merveilleux. Flotte joyeusement là-bas. Je pense pas. Je sais pas s'il y a de quoi encore de ce côté-là de l'île. Je sais jamais encore. En tout cas, je crois pas. J'ai vraiment de la misère à m'orienter dans ce jeu. Bon, il y a des choses ici. Une station de recherche. Minéral détecteur. Ah oui, c'est un petit outil qui me permet de rechercher exactement différentes. C'est un peu comme une salle de scanner portative, mais j'imagine avec une portée très réduite là. Ouh. Ouais, ils brûlent. Ils sont très chauds. Mettre proche pour se réchauffer, mais pas se coller non plus. Je sais pas trop ramasser de souffle, je pense pas en avoir besoin énormément. Là. Ah, voilà. Je pense que ça a changé beaucoup depuis la dernière fois que je suis venu ici. Ah, un autre constructeur d'habitat.
La salle multifonctionnelle que j'attendais le dernier épisode avant de commencer à faire la construction. On risque de commencer à se faire un petit chez nous, quelque part, avec ça. Le fabricateur, on l'a déjà. Les armoires. Ah, ça m'en prend deux. Un jukebox. Pour faire de la musique. Chaise, évidemment. Fait que là, c'est le party de scanner. L'armoire, merveilleux, une paillasse. Je pense que c'est une excitation. On peut scanner la machine à café. De l'eau. On a fait ça, merveilleux. Hein? Données téléchargées. Gain rewards by scanning precursor technology. Ok. C'est noté. Et je trouve des trucs de précurseurs. Je vais les scanner. Perfus pareil ici. Un lit. Une autre chaise. Bon, toutes les sortes de chaises possibles. Hein, déjà. Station de modification. Fragment. Les deux ordinaires. Ça me donne-tu au complet ou c'est. Faut que je trouve d'autres fragments. Non, j'ai la station de modification, ok. On dirait que c'est un peu tannant. Ben, c'est un peu tannant, c'est cool, mais tout est à la même place. Hein. Genre, je trouve 52 schémas ici. Honnêtement, je serais pas passé par ici en premier. J'aurais trouvé ça un petit peu pénible. Parce que techniquement, notre pilier nous envoie directement essayer d'aller rejoindre Alan au sanctuaire, Sanctuary. Ah, que dans ça, je l'aurais manqué. Hey. Tu vois, je peux scanner. Non, je peux scanner mon observatoire. Mais je peux pas rentrer à l'intérieur, c'est un peu triste. Bon, la grêle qui recommence. La tour de communication. Communication towers facility radio communication with the Vesper. Oh shit. Ok, je pense avoir un petit peu plus d'informations que ça. Un log de maintenance. Background maintenance and repair are limited to on world. Items only, replacement parts are running low. Ok, fait que ça me dit basically que je ne peux pas trouver de pièces de rechange. Je peux pas commander de pièces de rechange, il faut que je fabrique. Donc si je veux la réparer, ça veut dire que mon prochain objectif pour réparer ça, ce serait d'avoir un outil de réparation. Là, je pense qu'on se les gère un peu. Je sais pas si je peux faire de quoi ici. Anciennement, je pouvais. Mais j'ai pas de signal avec la tour, fait que je peux pas communiquer non plus avec le Vesper pour lui envoyer des choses et qu'il m'envoie des choses non plus. On le voit-il encore le Vesper? On va le voir dans le ciel. Pour ceux qui sont pas familiers ou qui ont manqué peut-être des épisodes, le Vesper, c'est la station satellite qui est en orbite. Qui a été déployé par Altera autour de la planète. Bon. Je suis un peu triste, je peux pas scanner. La machine à café, elle doit être ailleurs. Puis, lui, j'ai juste un fragment sur deux, les armoires. Fait qu'il faut que j'en trouve un autre ailleurs, c'est ça? Je peux au moins faire les petites armoires pour stocker, c'est quand même pas trop mal. Mais, ultimement, les gros, ça fait toute la différence. Bon. Là, si je saute en bas. Je vais me faire mal.
On est à quelle distance? T'es à 800 mètres. Ouais, je viens de dire que j'allais me faire mal. Je pensais être bon pour sauter directement dans l'eau, mais on va continuer à descendre un peu. À moins que je descende étape par étape. Il y a des pingouins en bas. Ah! Hey, Colin! C'est très sketchy ce que je fais. Ah, oh, pis tant pis. Ah, c'est bon. Je pensais que j'allais me casser une jambe ou quelque chose. Pas qu'il y ait ce genre de mécanique là dans le jeu, mais dans le sens que je pensais que ça allait faire vraiment mal. Tellement. Une petite graphing. It's only a scratch. Une drôle de musique dans cet endroit-là. Oh, allô? Ah! Ils font ça, eux autres? Ok, la dernière fois que je les ai vus, ils étaient pas complètement programmés, il faut croire. Les Rock Puncher. On dirait qu'on a mélangé Mike Tyson avec une espèce de grosse araignée sale. Et oui, les gros dépôts. Les dépôts qu'on peut juste ramasser avec la drill sur le prawn suit. What's that? Je veux pas le savoir finalement, c'est gros en tabarnak! Pourquoi je te cite moi? Retourne chez vous! Maman! Holy shit! Oh, il y a un vaisseau ou quelque chose! Ok, faut que je reprenne les jeunes. Premièrement, avant de ne pas me faire manger par une bébite, faut aussi que je respire. Jesus Christ! Il y a vraiment des trucs un peu... Ah non! Je veux pas savoir ton nom! Ben oui, mais en tout cas... Ah! Je fais de quoi de dangereux là, mais j'ai une trousse de premier soin dans mes choses, fait que je me le permets. Crypto-Sacus-Sucus! Oui, vous faites bien de rester sur la terre ferme, les amis. C'est fin, là. Oh, ils sont cute! Avec leurs 14 yeux. Quatre pas bizarre pas en tout. Je vais manger ça, ça va me soigner un peu en même temps. Faut que je boive de l'eau. Ok. Je veux laisser une balise pour le fun. Pas pour le fun, mais parce que j'ai trouvé de quoi dans le... Sûrement que c'est sûr qu'il y a de quoi aller ramasser là. Puis là, je suis pas sûr que je suis en état. Pas cette créature-là. J'ai oublié de regarder le scanner. The fuck? Est-ce que c'est pas petit, hein? C'est quoi ça? C'est-tu précurseur? C'est humain? C'est un vaisseau complet, hein? Puis ça fait longtemps qu'il est là. Mais il me semble que dans l'histoire avant l'Aurora, il y avait le Degassi qui s'est craché, mais that's it, là, il n'y a pas eu d'autre. 30 seconds. Je rentre à l'intérieur. Ok, je vais dropper ma balise. Je veux-tu la... Je suis capable de la nommer un peu vite vite? Conteneur de matériel, non. Voyons, shipwreck. Je cherchais un mot en français, mais je le trouve pas. J'avais juste carcasse, j'avais ça, en tout cas. C'est pas content. Oh shit! Les autres, je pense, sont gentils. Ah! Jesus Christ! Je vais retourner parce que les poissons sont plus petits que moi! Ok, c'est les autres qui crient le même temps. Je m'attendais que ce soit un Léviathan ou quelque chose. Mais y'a pas rien qui est content de me voir ici. Ils sont tous très fâchés. Ils sont très contents de me voir en fait, là, mais. Qu'est-ce que. Oh, c'est tout ça, les. Les nénuphars géants. Oh, les baleines sortent de l'eau! L'animation n'a pas l'air complète encore. Comme il a comme disparu en chemin, je sais pas si parce qu'il est loin, puis j'ai comme perdu de vue. C'est donc ben cool!
Tant qu'on est en surface. Sous l'eau, c'est un peu plus violent ce qui se passe. Je vais retourner à la maison. Puis ils flottent. Ils flottent tellement qu'ils arrachent la terre avec eux autres. Ils transportent des petits morceaux de terre. Alright. Et ça, je suis content de voir ça. Des trucs qui flottent. Ça me rappelle vraiment les premières fois où j'ai trouvé dans Somnatica quelque chose qui flottait. Notre fameuse carcasse. Cargaison, notre vaisseau, je sais pas. Là. Oh, c'est nouveau ça. Featherfish. Ok, c'est pas agréable ça. Je sais pas si c'est de la chaleur. Tout veut me tuer ici, c'est l'enfer. 30 seconds. Oui, j'en vais. Je m'en vais. Je suis vraiment pas le bienvenu ici. Je rentre à la maison. Ah non. Forget about me. Never could. Oh, ok. Surprise. Ça. Je sais pas si je peux les scanner un peu et avoir une idée de ce que c'est. Non. Là, je suis un peu mêlé. Ou bien, il y en a plusieurs endroits, des vents comme ça. Oui, je suis revenu sur. Ok, je peux ramasser de l'or, ça m'en prend, fait que je vais essayer d'en ramasser une coupe. Yes. I really feel like they hate me. Non, j'aimerais bien. Ils font un vacarme, j'ai l'impression que je vais essayer de tweaker peut-être le son du jeu pour baisser ça parce que c'est vraiment. Je t'assure qu'il y avait un Léviathan derrière de moi. C'est quand même gros, mais c'est pas catégorie Léviathan encore. La baleine est peut-être classée Léviathan, mais. Oui, la plateforme de recherche. Oxygen. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Oxygen. Cool. J'ai quand même quelques. Je pense que je vais venir m'installer quelque part ici. Un peu traite là, comme terrain. Monter une plateforme. Ouais, ici c'est bien, c'était même assez plat, je vais pouvoir construire quelque chose aussi certain. Pas d'énergie. J'ai pas repris le même. La même note là. Je vais mettre des piles dans tous les outils que j'utiliserai pas là. Aucune pile, charge à 100%. On va mettre cela à la place. Sur le bord. 30 seconds. Hein, regarde ça, il y a ces lags ici. Ah oui, évidemment, j'ai pas le plomb sur moi. J'ai une deuxième balise, non? Oxygen. On remonte, doucement, on remonte. Bon, je suis comme littéralement en dessous de la station de recherche, ou presque. En bas. On va se faire un petit chez nous tranquillement, pas vite là. Faut maintenant que je trouve tout plein de petits outils qui vont me permettre de descendre en profondeur pour aller rejoindre Alan. Mais
Mais déjà, tout ce qu'on a trouvé va nous être extrêmement utile. Les nids des singes des mers. 30 seconds. Bon, je sais plus ce que j'ai fait avec. Il est tombé. Ah, il est là. J'ai pas le goût de le perdre. Don't want to lose you. Alors, ça, bon. Je vais prendre mon temps. Bon. On rentre à la maison. Non, mais non, ça, je peux scanner ça, non? Redwood. 30 seconds. Ouais, ouais, non. Je sais que c'est important que j'inspire. You really need to breathe sometime. Je vais ramasser mes matériaux de construction, puis. Ça va être compliqué cette histoire-là. J'ai ramassé tout ce qui est matériaux de construction, le titane, puis le. Le plomb, le verre. On va aller dépenser ça. Hein, je peux peut-être faire des. Je vais essayer de faire mon circuit intégré. Ah, j'ai peut-être pas assez de ça là. Non, j'ai juste un corail bleu. Je vais essayer de trouver du corail. Véhicule. Non, regarde, véhicule mobile, ça peut attendre, c'est pas urgent. À la place, on va ramasser ça, ça, ça. J'ai pas vraiment besoin du cuivre. Encore moins de soufre. Est-ce que je voulais faire par exemple? Rien. Ne serait-ce que pour sauver de l'espace. Hein, j'ai pas. Ah, c'est pour ça que je voulais avoir mon kit. Fais le cuivre. Je vais avoir ma boussole en plus. Ça va être tellement plus facile de s'orienter avec ça. Et voilà, juste au-dessus, ici en haut, au-dessus de mon. Où ma profondeur. Je vois ma profondeur, mais je vois maintenant dans quelle direction je regarde. Je regarde vers l'ouest. Détecteur de minerais. Pas sûr. Pas sûr que je vais m'en servir. Hé, hey, fatigué les petits garçons. Je suis pas sûr que je vais m'en servir. Ok, je vais laisser tomber. Ah, ça me prend quoi pour faire du verre. Du plomb et du diamant. Ok. Au moins le diamant sert à quelque chose dans le jeu là. Là j'ai tout mon titane ici, je vais ramasser mon verre. Débarrasser de ça. De ça je n'ai pas besoin. Si j'en reviendrai au plus pour la nourriture, c'est pas un problème. Ça me prend du quartz aussi un peu pour faire des panneaux solaires, je me souviens plus combien. Ok, fait que là on va aller, on va changer ma méthode de... On va unpin ce que j'ai pas besoin, ce que je veux absolument piner. Je vais avoir besoin de faire des salles. Je vais avoir besoin... Très bien qu'il y ait des onglets. Oui, ils sont séparés par catégorie, mais des onglets pour voir. J'ai pas un onglet véhicule, un onglet construction ou un onglet. Ah, c'est ça, je voulais pigner ça. Et. Ça, c'est fondation. Et ça, c'est trois choses que c'est sûr que je vais avoir besoin de faire. Est-ce que j'ai fabricateur quelque part? Ouais, ça va prendre ça au minimum. Et un jukebox, bien évidemment. Ça me prend du diamant. Ok, fait que j'ai trouvé des choses que je pourrais pas tout de suite construire, mais au moins. Ok. Fait que je vais en mettre du cuivre, hein, parce que j'en aurai besoin de plus que ce que j'ai sur moi.
Ça aussi, pourquoi pas. Kit de câblage, j'en ai plus besoin. Pourquoi je vais. Parce que je vais ramasser le plus de titane possible. C'est pas ça. En inverse. Mais ça m'en prend quand même 5 pour faire les salles multifonctionnelles. Pour l'instant, on va se faire juste une salle. Ça va être un petit. Je sais pas encore exactement où je vais vraiment m'installer. Que... Évidemment, je risque de déplacer au fil du temps. Il faut que je fasse l'outil de réparation. Pour ça, il faut soit que je le trouve ou soit que je trouve le schéma. Bon, j'avais commencé une fondation. Quelque part pas loin d'ici, il me semble. J'ai juste à trouver. Ah, c'est là-bas. Dans cette direction-là, quelque part. Là-bas. J'ai pas pensé de me refaire une autre balise. En fait, d'en ramasser une, parce qu'il me semble que j'en avais de plus dans mon coffre. Finir ma fondation. Je fais-tu plus qu'une fondation? Je pense que je vais en faire une deuxième. Au pire, c'est pas grave parce que peu importe ce que je construis, je peux le récupérer. J'ai juste à... Tout ce que ça va me coûter, c'est l'énergie que ça prend pour le démonter. Fait que, puis il n'y a aucune perte. Je récupère toujours 100% des ressources que je mets dessus. Fait que si jamais mon placement n'est pas bon, je peux changer quelque chose d'endroit, tourner quelque chose, juste ramasser ma base puis aller m'installer ailleurs. Ramasser mes clics, mes claques, c'est pas un problème, ça se fait très bien. Ça va être merveilleux. Star, ça va me prendre. J'avais pas calculé ça dans mes affaires. Je l'ai pas marqué, mais je me doutais bien que j'allais devoir faire ça. Une écoutille pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Et aussi, pourquoi pas. Ou parce que j'ai pas le choix vraiment, un panneau solaire pour avoir un petit peu d'énergie qui va se générer pour pouvoir avoir un life support dans la base qu'on vient d'entendre s'enclencher. Ah, c'est tellement joli. Fait qu'au sud-est en fait de notre capsule pour l'instant, si jamais j'ai pas assez de matériaux, c'est moi pour faire une balise. Je vais faire un fabricateur à l'intérieur de toute façon. Ah, il manque de quoi pour mon fabricateur? Du quartz. Damned. Ok, c'est pas grave, je vais quand même le starter. Mettre ça. Ok, mettre ça ici de bord. J'ai compris. Fait que c'est ça qui me manque, c'est le quartz. Fait que avec ça, on aurait comme la base d'une nouvelle maison. J'aimerais bien trouver du quartz quand même facilement quelque part. Même si en ce moment je trouve tout sauf du quartz, mais c'est pas grave. Il y en a un petit peu partout d'habitude. Mal pris parce que là c'est le temps de ramasser du titane en masse. Parce que vous me connaissez, quand je vais construire de quoi, ça va être gros. Dépendamment de tout ce que je peux trouver. Plus que je ramasse de ressources, plus je vais faire de quoi de grandiose. Ici, truck. Ça va être très utile bientôt. Si je trouve pas le recycleur, ça va être automatique que ça va être le sea truck qui va m'apporter en profondeur. Puis qu'à partir de là, je vais pouvoir nager aux alentours. Ok, je dois remonter. Je pensais qu'avec le sea glide seulement, on allait être bon pour rentrer au sanctuaire, mais si j'ai pas.
j'avais pas pensé, c'est que j'ai pas le recycleur, puis j'ai pas accès au recycleur. Je crois qu'avant, dans la dernière fois que j'ai joué, il y avait peut-être pas encore d'endroit où il y avait installé le recycleur ou une façon de le trouver. Donc on l'avait automatiquement dans notre, pas dans notre inventaire, mais qu'on peut le rechercher puis le fabriquer automatiquement. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. C'est pour cette raison-là que j'ai besoin de... Oh yes! Oh yes! Ça, je l'aime bien. Bon, je vais retourner à la base. Sud-est de ça. Faut vraiment que je me fasse une balise pour ça. Ah, c'est du cuivre titane balise. Ce sera pas un problème. Pour ça, il faut que je fasse mon fabricateur, puis c'est pour ça que j'avais besoin de rentrer à la maison. Pas de rentrer à la maison, mais de trouver du cuivre. Putain, la mec est fatigué. Je dis n'importe quoi. Parfait. Fait que là, j'ai mon fabricateur. Tada! Ok. Je vais aller voir pour me faire une balise justement du titane, du cuivre, merveilleux. Puis j'ai trouvé une nouvelle bonbonne dans l'équipement, bonbonne à haute capacité, trésor d'oxygène standard que j'ai sur moi en ce moment. Fait que bon, juste là, j'ai le déséquipe, puis de l'argent que j'ai dans mon une autre maison. Je vais me faire juste un petit armoire. On va laisser une cochonnerie ici. Puis ce que je vais faire en fait, on va pas terminer l'épisode là-dessus. Je vais aller chercher mes matériaux là-bas le plus possible. C'est de rapporter ça ici au maximum. Puis commencer à crafter à partir d'ici. Ouais, on va faire un deuxième armoire aussi. Pourquoi pas. De toute façon, j'en aurai besoin de plus que ça éventuellement. Puis comme je le dis, on peut construire tant qu'on veut sans frais, sans intérêt. On peut déconstruire quand on veut après ça. C'est juste le temps et l'énergie que ça nous prend pour le refaire. Qui est un, c'est juste le seul inconvénient. Ok, puis là, j'ai pas rien pour charger mes piles encore. Donc pour l'instant, je vais faire beaucoup de piles. Ah non, je peux faire le chargeur de piles déjà. Ah bon, ok, on va se faire ça bien vite. Parfait, je termine l'épisode là-dessus, c'était DoomQC89, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, on se voit dans le prochain, d'ici là, amusez-vous bien, ciao!